Tu sais, en Europe, à un moment donné... Oh! C'est quoi? Y'a quoi? Papa, maman dit de venir te parler. Donc, parce que maman dit de venir me parler, donc tu dois venir mordre mes oreilles. Tu n'as pas déjeuné le matin, c'est mes oreilles que tu vas manger maintenant. Si tu veux parler, parle devant tout le monde. Ce monsieur-là, c'est un étranger. C'est mon ami qui est là, on a fréquenté ensemble. C'est pas un étranger. Parle devant tout le monde. Oh. Maman dit de venir te dire que ton ami là n'a qu'à partir, que le riz n'est pas beaucoup. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Qui n'a qu'à partir? Ouais. Moi? Faut partir, ouais. Et puis, il me dit faut partir, ouais. Hein? Mais vous pensez que je suis à un plat de riz près? Non, bon. Non, écoute, non. C'est-à-dire, je n'aime pas. J'ai horreur qu'on se foute de moi. Et puis, tu arrêtes là. Disparais! Fais vite là-bas! Quelles sont ces mal? Bon, écoute, moi, non, de toutes les façons... Non, mais écoute, tu connais les femmes. Oui, je connais les femmes. Tu ne vas pas considérer ce qu'elle a dit. Non, je connais les femmes, mais là, je viens de te connaître aussi. Moi, Kébé, à un plat près? Non, attends, ça va. Kébé aussi? Non, les blancs, là, ils sont dangereux. Tiens! Prendre beurre de karité pour construire maison. C'est-à-dire, tout ce qui leur reste à faire là, c'est fabriquer un homme qui respire et qui est intelligent comme nous. Non. Au moins, ils font quelque chose de bien, mais nous on est là, on tue les gens par-ci, par-là, en sorcellerie. C'est-à-dire, Dieu est grand, hein, mais Blanc aussi n'est pas petit. Rachida. Oui. Pardon, apporte le plat là. Ah. Jenny, est-ce que tu sais que on construit maison avec beurre de karité? Oui. C'est dans le congélateur, mais quoi? Non. En Europe, ça se fait. Les gens tombent dedans même. Tu sais pas. Ah, voilà. Apporte de l'eau, je vais laver ma main. Aïe. Voilà. C'est quoi ça? Attends, tu sais plus faire la différence entre riz et puis à checker. Mais j'ai envoyé l'enfant de même, il m'a dit que le riz n'est pas beaucoup. Et puis ça a checké, je vois ici encore. Mais ça, c'est la preuve, le riz là, ça suffit pas. C'est pour ça que j'ai payé un peu d'à checker. D'accord. Donc si ça suffit pas, ça dit que c'est moi qui ressemble à checker. Toi, tu ressembles à riz. Toi, tu vas manger à checker et puis moi, j'ai mangé riz. Je vais prendre ça comme ça, je fais comment? Je suis pauvre, je prends comme ça. Toujours prends ça comme ça, prends ça comme ça. Ah. t'as pas vu ma trousse de clé là? Ah mais, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la tchéquée. C'est fait à base de quoi? Ça se mange ça? Oui, ça se mange. Bon, d'accord, bon, de toutes les façons... Je t'ai venu t'informer aussi. Je reçois des amis chez moi à la maison là, pour un petit déjeuner et tout ça, entre amis. Donc il y a même mon jeune ami là, Sarkozy. Mm-hmm. Alors il vient spécialement pour manger avec moi ce soir. Il y a le ministre des Finances et de l'économie, le directeur de la douane, du port et tout ça. Bon, c'est des amis quand ils viennent en Europe ou aux États-Unis, c'est moi qui les reçois. Donc tu connais ceux-là? Mais c'est des amis. Oh, mais donc viens, on va manger ça rapidement. Puis, j'appelle Sarkozy tout ça, tu vas poser. Non, ça va, comme vraiment t'as pas été prévenu. Bon, une prochaine fois, c'est pas grave, hein. Non, viens, on mange ça rapidement et puis on va ensemble. Tu pourras venir? Oui, rapidement, on finit ça et puis on s'en va. Hein? Bon, comme tu insistes, sinon vraiment. Voilà. Tu la chaise. Aïe, toi aussi. Tu vas aller manger à Sarkozy avec les crèmes de la vie, tu vas me laisser ici. Mais ça se mange avec quoi? Non, avec la main. Avec la main. Non, je ne mange pas avec la main, il faut... Tu es. Oui, parce que les mains sont jamais propres. Hein? Je t'ai parlé de mes problèmes. Il dit, moi là, je suis pauvre. Cuillère même, il n'y en a pas chez moi à la maison là-bas. Quoi? Il n'y a pas de cuillère. Non. Bon, c'est pas grave, je règle le problème. Parce que chez nous en Europe, on se n'est pas toujours prêt. Hein? C'est quoi là? C'est ma cuillère? Enfin, c'est un système, un nouveau système en Europe. On appelle ça en même temps et mieux. Okay. Oui. Mangeons. Mais donc, tu as mangé en même temps que moi. Oui, bon. Comme tu insistes. Bon. Bon, dès que j'ai fini, on s'en va. Oui, hein? Non, bon. Mangez.
Je vais m'apprêter. Une fois que je finis. Et puis on se met à l'autre habitation. D'accord. Mais si tu vois que ça ne va pas, tu peux rester. Non, 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 attendez. Oh, manger, je vais m'apprêter. D'accord. Mange, tu peux manger même. Comment on va aller manger là-bas, là. Ça, tu peux manger. D'accord. Mon cher, Abidjan, c'est si tu n'es pas malin, tu vas mourir de faim. J'arrive, mon cher, il y a mangé, il faut laisser manger. Non, vous dites à ton ami, n'a qu'à partir, manger n'est pas beaucoup. Quand, en Afrique, il y en a pour un, il y en a pour deux. Là, c'est moi-même, c'est vrai qu'il allait avoir garba pour manger aujourd'hui. Kébé. Kébé. Oui. Tu m'attends, je viens. D'accord. Non, je suis prêt, hein, bon. Ok. Sinon, je suis en train de m'apprêter. Aïe. Oh. Aïe. Bon, je voilà. Pense que je suis désolé. Oui. Je viens tout de suite même de recevoir un coup de fil. Oh non, je suis prêt, on peut partir maintenant. Vraiment, non, le pays là, c'est pas la peine. Mais votre pays là, c'est pas possible, vous êtes en retard. Comment? Mon cuisinier vient de m'appeler tout de suite qu'il paraît qu'il y a un décret qui vient d'être communiqué à la télé interdisant toute réception à la maison. Attends, tu veux dire quoi? Non, ben donc la réception est annulée, donc... bon, vraiment, je suis désolé, quoi, hein? Tu mens. Non, tu mens. Mon cuisinier vient de m'appeler à l'instant même. Tu as mon poisson dans ta main comme ça, en train de manger, puis tu vas me dire, moi, la réception est annulée. Mais ce n'est pas moi, c'est le pays. Tu mens, on va manger. Mangez là, on va manger aujourd'hui. Où manger. Ça? Où tu t'en vas là, on va aller manger. Ah non, mais si c'est le poisson qui pose un problème, je te laisse ton poisson. Ok, si la réception est annulée là-bas, allons dans un restaurant, tu vas payer un bon plat, moi je vais manger et puis je vais revenir. Attends, c'est de l'harcèlement ou bien quoi? C'est plus que ça même. Tu vas manger mon attiqué, mon poisson et puis me dit que c'est annulé. Allons. Non, mais non, je dis... Allons dans un restaurant, tu vas me faire manger...